Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Je vais mettre play, évidemment, et on vous accueille tous à bras ouverts, croisés et les jambes avec, pour que vous puissiez nous venir nous rejoindre sur Twitch, tout simplement. Hein. On est sympa, on mord pas, sauf si on nous le demande, hein, donc avec délicatesse, évidemment. Nous mordons toujours avec délicatesse. Et le jour se lève sur Danette. Agent 21, Titi Coin Coin YouTube. Voilà, Titi Coin Coin YouTube. La maisonnée de notre petit Totoya dort encore. Nous avons Opaline qui est devenue une jeune fille. Qui est là et qui veut faire quoi? Elle veut aller prendre sa douche. Elle a raison. Ah bah au moins c'est une fille qui est très propre. Et voilà. Ah bah on n'a pas le droit de regarder. Et nous avons encore Popom. Et comment ça, le Hulk, qui sont encore bambinouches. Alors là, Pom-Pom, elle grandit dans un jour, donc on devrait la voir devenir enfant dans cet épisode. Alors que le Hulk, lui, il grandit dans 4. Donc, je suis pas sûre qu'on le voie grandir. Voilà, c'est bientôt l'anniversaire de Pom. Totoya, lui, ben, il va bien. Il y en a une qui va nettement moins bien. C'est sa femme. Parce que, bon, ben, Manon Rainbow, voilà, elle est pas en très grande forme parce que la semaine dernière, elle s'est fait bouffer le doigt par Merguez et donc elle a chopé la maladie du rongeur. Le chat a voté la semaine dernière pour savoir si on l'a sauvée ou si on l'a laissée crever. Bon, bah, le verdict était fait. Aujourd'hui, nous devrions la perdre. Elle devrait en crever. C'est comme ça, c'est la dure loi des Sims, c'est la dure loi des abonnés. Donc, mais d'où il y a un émo de Titi, je suis perdue, j'en ai fait tant que ça de live. Bah, c'est... Non, c'est assez récent, Oniri, Titi, coin, coin. Ça fait depuis dimanche, je crois, en vrai. Dimanche ou samedi, je sais plus. Non, dimanche, je pense. Ça fait pas très longtemps, Titi, coin, coin. Donc voilà, normalement, nous devrions perdre cette jolie dame demoiselle. C'est triste, mais c'est comme ça. Elle était bien jolie, elle nous a été utile, elle nous a fait deux filles, et puis le garçon est arrivé, et donc là on s'est dit, il faut la tuer. Tout simplement. Il faut la battre, parce qu'elle a osé faire un garçon, et ça ne va pas du tout. Pour l'instant, elle est fièvre et vertige, fièvre du rongeur enragé, dans 10 heures, donc c'est encore le temps. Encore le temps de la voir lentement mourir, alors que notre beau Toya, avec ses petites plaques de chocolat... se sert un bon bout de gâtal rose. Eh, elle va refiler sa vieille maladie à sa fille. Ah, elle est covidée, mais quelle horreur. Ma gamine, elle pue. Et elle a un petit peu faim aussi. Après, les bambins, ils sont indestructibles, donc ça va encore. Elle peut y aller. Elle va lui laver le cul, ça lui fera... Elle s'occupera. Alors, ben, justement, nous sommes pour Manon, et donc nous n'accompagnons pas. Et bouffe ton gâtal, toi. Parce qu'avec avec Bichon, on va aller bosser, hein, je crois qu'on bosse. Oui, on bosse. Ah merde, après c'est le week-end. Ah non, j'ai pas envie de passer le week-end avec les gosses. On refait comme la dernière fois où on part deux jours en vacances sans les gosses. Valar Morghulis, tout à fait Babushka. Valar Draeris, à toi. Comment vas-tu? Elle atteint ses limites en tant que génitrice. Tout à fait, là, à un moment donné, on voit que le moule a été cassé. Il faut casser entièrement la marmite. Enfin, c'est pas possible. On est quand même cruel, quelqu'un qui sait pas qu'on joue aux Sims aurait déjà prévenu les flics ou l'asile. Que vous avez voté pour la mort. C'est vous qui êtes cruel. Et moi, Marine, elle s'est plainte dans les commentaires. Hein. Je l'ai vu. Hein. J'ai dit à moi, mais moi, j'y suis pour rien, c'est les abonnés. Hein. Donc, voilà, elle le sait que c'est vous. Hein. Donc faites gaffe, elle va revenir, vous allez se passer un sale quart d'heure. Bon, il reste un quart d'heure, je pense pas qu'on ait le temps de laver le cul de la petite. Toi, tu vas te faire des amis, et toi, on s'en fout, tu vas travailler dur, mais en vrai, on s'en carre le coquillard. Et encore fait une assiette, un bol qui vole. De toute façon, on va aller travailler après. Il est au rang 8. Ah ouais! Comment ça peut peser dans le game, Titoya, là? C'est qu'il nous reste que le niveau 10 à atteindre pour la carrière et après on a fini sa génération. C'est-à-dire que la génération verte, on va pouvoir vraiment la commencer très rapidement.
Et ça, c'est bien. J'ai pas voté pour sa mort. Ça arrive, c'est comme ça. Ah, qu'il est beau. Alors, résoudre 5 affaires, ça, c'est ok. Se faire assigner une affaire. Donc, on n'avait pas fait ça. Oh, un ordi de libre, incroyable. Un ordi de libre. Mais c'est pas possible. Vite, cours, avant qu'il y ait quelqu'un qui pique ta place. Ah, il y a peut-être des gens qui sont morts entre-temps, hein, qu'il y ait autant de place dans cet ordinateur. Dans ce commissariat. Ah madame, c'est bientôt l'heure de d'accoucher, hein. Vous savez que dans cette prison, dans cette cage à poules, là, ils sont quatre et ils font que des gangbangs. Les deux meufs sont tombées enceintes, hein. Par contre, on ne sait pas ce qu'ils ont fait du bébé. Peut-être mis à la rôtissoire, je ne sais pas. Faut bien nourrir ces pauvres policiers, oui. Pauvre Totoya. Se retrouver veuve si jeune. C'est horrible, hein. C'est comme ça. Après ou avant le Iowa prends-moi, il y aura le Totoya prends-moi. Alors, prendre des photos d'identité, comparer les informations. On va faire ça parce qu'on est sur le PC. Voilà, très bien. Après, on ira ajouter des indices. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de se déplacer sur les scènes de crime. On arrive à, en étudiant des indices de l'ancienne affaire, on en déduit de celle de l'affaire-là. C'est la logique Sims, hein. C'est la logique même des Sims. Alors, ok. Donc, il va analyser une preuve et ajouter un indice. Tu vas commencer le tableau d'investigation. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Tu penses à l'amour? Tu sais qu'il va bientôt être célibataire? Enfin, veuf, quoi. C'est pas la même chose, tu me diras. Veuf et célibataire, c'est pas pareil, hein, les enfants. Attention. Le bébé dans un lit à barreaux. Seulement. Mais très grand barreaux, j'espère. Même. Alors, c'est la première fois qu'on a cette carte-là. Je crois. Je dis pas de bêtises. Alors, était un jeune adulte. Premier indice, un jeune adulte. Très bien. Ajouter des encore des indices. Ajouter des indices. Je dirais même un indice. Il a une tête, des bras, un t-shirt rouge, un pantalon gris ou un jean bleu. Était un homme. Oh, vilain homme alors. Puis alors, quand on fait l'enquête quand même, c'est très compliqué. Hein. Ah, il y a encore des indices à mettre. C'est très dur la carrière détective. Hein. Tu vas sur un endroit, t'as qu'un seul Sims, et tu dois savoir, tu dois deviner si c'est lui ou pas le meurtrier. Pas le meurtrier. Et merci Linéa, comment vas-tu? Et merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue. Il a encore à découvrir un indice. C'était quoi? J'ai pas lu. Indice découvert. Suspect avait des cheveux noirs. Attention vous dans le chat, hein. Les hommes aux cheveux noirs, il doit pas en avoir beaucoup. Mais vous êtes susprout. Attention, ça ne rigole plus. Salut Andinéa, comment vas-tu? Et bonne soirée à toi Lydie, des bisous, repose-toi bien. On doit encore ajouter des indices. Ah, vache. Ça y est, il est déjà en train de draguer. Il dragouille. Un débardeur, un homme aux cheveux noirs avec un débardeur. C'est largement assez, non? Non, bah non, on continue. On continue. Non mais Toya, il va résoudre une affaire par jour. Oh! Il est malveillant, le susprout, comme moi. Oh merde alors. Ça se répand, hein. Apparemment, je répands ma malveillance à travers même les Sims, dis donc. Oh, faites gaffe à vous, les enfants, vous allez devenir malveillants. Hein. Bah, je sais qu'il y en a, c'est déjà fait. J'aime tellement cette expression... Cette extension de travail, dommage qu'il n'y a pas plus de métiers, c'est excellent. Ah ouais, après, il y en a trois, tu vois. Moi, je trouve ça pas mal, en vrai. Moi, il y en a plein qui l'aiment pas, cette extension. Parce que, j'avoue, au niveau créer un Sims et les meubles, on l'utilise jamais. C'est pas ça qui est fun. Mais en vrai, le gameplay des carrières, il est cool, quoi. Il est sympa. Certes, c'est répétitif, mais déjà... Tout métier est répétitif dans la vie et aussi dans les Sims. C'est comme ça, là. T'es toute propre et ça sent bon. Moi, je demande une preuve, Marie. Tu m'envoies une photo, hein, et puis un odorama, s'il te plaît.
Et encore des indices. Bon, parce que je peux faire autre chose, hein, mais... Qu'est-ce que tu parles, Ali Moche? Je suis horrible. Oh, le chef, il a pris un coup de vieux. Trop bien, ça veut dire que quand il va claquer, c'est Toya qui prendra sa place. Vous le verrez. Vous le verrez. On va l'évincer. Hein, Titi? Titi qui observe un short et un débardeur. Oh bah dis donc, bah c'est l'été en même temps. Bah c'est... Ah bah oui, lancer un avis de recherche. Allez. Ah oui, si j'appuie pas sur play, on va avoir du mal. Moi je vais prendre tous les mecs aux cheveux noirs dans la rue. Enfin, je vais les prendre. Je vais leur mettre les menottes. Enfin, comment dire. Je vais les arrêter. Je vais les prendre, genre mes menottes. Elle est chelou celle-là. Les cheveux noirs, Bermuda, short et débardeur, ben, ça ne va pas. Avis de recherche, le susprout correspondant à l'adresse de l'avis de recherche a été vu dans cette zone. Oh ben ça alors, mais où est-il? Allez les enfants, où se trouve le suspect? Attendez, on va jouer à Dora. On va jouer à Dora. C'est vous qui allez me dire où est le suspect. Maintenant, je vous écoute. Que de lapsus. Ah, toujours. Nous lapons et nous suçons. Comme si les carrières indées n'étaient pas répétitives non plus. Mais c'est ça, mais tout. Mais puis même dans la vraie vie, c'est répétitif. Tu fais forcément toujours la même chose, quoi. Ou très souvent. Tu vois pas Anne? Ah, Anne, elle est éliminée. Ah oui, derrière le chat. Bougez-vous, le chat. Attendez. Ça va mieux comme ça? Je vais essayer de zoomer sur le... Là. Voilà, c'est bien là. Vous m'avez juste moi ici, mais c'est pas grave, c'est pas en dessous. Bah là, vous voyez plus. Ah, je voulais jouer à Dora, ça marche pas. Voilà, bon, ça passe là. Allez, Dora! Et vous, les enfants, il est où le suspect? Voilà, c'est comme ça, Dora. Échec et mat sur la chaise. Quelle chaise? Oh, tu vois une chaise, Coco Juju? Je ne la vois pas! Heureusement que j'ai pas fait ça pendant le teaser, trailer. Non, évidemment, je vais pas être éliminée. Ah, c'est bien. Échiquier, sac à dos. Avec les échecs. Avec les échecs. Tu vois les échecs, toi aussi? Je suis la carte. Pardon. Je sais pas pourquoi. Sur la chaise à droite, à côté des chiottes. Oh, merci! Je vais aller voir ça avec... fouineur, arrête de fouiner. C'est la carte. Voilà, c'est très compliqué et c'est ce monsieur. Monsieur Hinata Yamamoto. Oh putain, il a l'air d'avoir une sale trogne. Allez, on s'en fout, on l'arrête direct parce que bon, on a fait les débiles juste avant, donc faut pas déconner. Ah non, mais ça se voit à sa tête qu'il est malveillant. Regardez ça. Regardez, il a les yeux du démon. Il a les yeux rouges du démon. Shipper, arrête de shipper. C'est ça. Shipper, arrête de shipper. Susprout, arrête de prouter. Va plutôt sucer le susprout. Pardon. Oh la vache. Sac à dos. Ah, il a les yeux du démon. C'est pour ça qu'il est malveillant. Bien sûr qu'il est moche, mais ça c'est normal, c'est des Sims aléatoires, ça, ma petite Marie. Il fait genre, il est intelligent, on sait que c'est toi, hein. T'es un homme, t'es jeune adulte, t'as un short et un bermuda, et t'as les cheveux noirs. Ah, j'aime ça quand il tend ses petites menottes, ça me... Ah, ça me fait des choses. Ça me fait des choses. Oh, puis là, par contre, il est pas content. Hein. Là, il fait peur quand même. Là, Toya, j'ai pas envie
de le toyoter. Hein. Les Sims sont beaux chez moi pour faire les PNJ wesh. Ah, tu peux toujours postuler. Il hein. y a quand même qu'ils ont réussi à faire des maisons. Hein. Ou faire des créateurs de CC qui ont fait les objets, des trucs comme ça. Donc, tu t'y vois avec les menottes. Ça dépend avec qui. Alors, allez interroger le susprout. Quand même, interroger le susprout. Oui, il est là, Apec. Salut, t'es nouvelle, toi ? Technicienne de laboratoire, pourquoi tu fais l'accueil ? Pourquoi pas, après tout ? Il n'y a pas la meilleure des collègues ? Oh ! Elle est où, la meilleure des collègues ? Vous avez vu que Manon... C'est qui, lui ? Détective. C'est quoi, ce mec, là ? Oh, il est pas bobo, mais la beubare, ça donne du charisme, là. Il fait de la concurrence à notre Totoya, hein. À notre Toyota, hein. Steve Garza. Targ? Oh, Targ. Hey, mais c'est pas maintenant qu'il faut pleurer, Jacqueline. Hein? Faut y réfléchir avant de faire des bêtises. À l'heure. Tabarnak. Ah oui, c'est là, c'est sur lui qu'il faut faire. Alors, on va faire un peu du gentil policier. Demander poliment des informations. Gentil policier. Faire semblant de consulter son téléphone. Juste voir ce que ça donne, hein, parce qu'on a toujours fait le méchant, ou c'est qui s'énerve, ou avec des preuves. Là, on va jouer un peu. Hein. Raconter une histoire personnelle. Dimba Combo. Pokum Snurper. Il semble tendu. Cha, Bunamopsi. Bikoya Slam, Wadida, Abrupt Banorla, Muma, Jade, Nibahana, Waxwin. Discuter de la victime. Ça fait quand même monter, hein. Il est stressé quand même, hein. Guamadimis. Les PNJ aux yeux marrons comme ici. Oh, punaise, Camille. Tu me fais plaisir, là. Plein de yeux marrons. Bah, de toute façon, je les supprime, moi. Mais les PNJ, les townies, je les dégage. Ils sont moches. Gentil policier. Faire de fausses promesses. Ah, ça marche quand même, hein. Frinka Show. Kaja. Imba. Se renseigner sur le crime. On va après demander poliment des informations. Et pour la fin, j'ai envie qu'il s'énerve et qu'il hurle et qu'il jette les papiers, vous savez. Oui, bien sûr, je vais te donner toutes les informations que tu veux qui vont m'incriminer, monsieur le policier. Évidemment. Ça n'a pas marché. Promettre un repas savoureux. Et proposer une barre chocolatée. Mais vas-y, je te ferai des petits spaghettis boulettes. Tu aimes ça, toi, les boulettes? Pas de soucis, Marcel. On fait les gentils policiers pour voir. Là. Pour voir si ça marche aussi. C'est un peu plus long, par contre. C'est un peu plus long pour le faire craquer. Plus ou moins marron. Et après, on va faire méchant policier. Et fixer froidement. Excusez-moi, mais ça me tue à chaque fois. Regardez la gueule qu'il fait. Oh. Et Toya qui le mate. Moi, un flic comme ça, là, quand tu veux, où tu veux. Tout ça. Hein? Non? Pas vous? Vous êtes pas... Hein? Bref. Avec ses yeux qui partent dans tous les sens. Snarb. Snarb. Là, ça a suffi. Il a été sympa, il a fait tcha-tcha-tcha, ouais, t'inquiète, spaghetti boulette, tout ça. Et maintenant, voilà, il a fixé comme ça.
J'aurais faire ça, moi, en vrai. Quand quelqu'un, il veut pas me parler, je fais... Essayez chez vous, vous me direz si ça marche. Et voilà, nous pouvons obtenir des aveux. Ah non, mais elle est trop bien, j'adore. Oh putain. Au palais, il a rencontré Vincent. Et Vincent, il a une grosse touffe de cheveux, hé. Il a bien mis de l'engrais sur la tête. Allez, au trou! Affaire classée! Eh oui, le crime ne dort jamais. Parcourir la base de données. Putain. Mais pourquoi on peut plus récupérer les ordi? Qui c'est qui veut se barrer de là? Casse-toi, toi. Fous le camp. Dégage. Totoya, viens ici. Tu vas parcourir la base de données. Parcourir la base de données. On parle d'une nationale avec une manine de C. C'est pas terrible, ça, hein? La pauvre, dire qu'elle a perdu sa maman. Chut, ils le savent pas encore. Les interrogateurs sont les meilleurs moments de la carrière détective. Ah, franchement, c'est trop... Ah, elles sont trop bien. Les actions, les réactions qu'ils ont mis en place, quand tu vois, ils voient les yeux et tout, franchement, c'est... Les animations sont vraiment super belles. C'est pour ça que je l'aime bien, ce pack, parce que c'est bien foutu, tu vois, et c'est quand même un des tout premiers, donc... Après, il se fait assigner, c'est là. Il faut savoir reconnaître quand il y a des choses sympas. Bon, le commissariat en lui-même, il est dégueulasse, hein. Une petite rénovation avec décoration d'intérieur, ce serait pas de refus. Ta-ta-ta-ta! Voilà, comparer les informations, on va comparer. Comparons ce qui n'est pas comparable. Les indices d'il y a deux ou trois affaires, pourquoi pas. C'est mieux. C'est sûr que celle-ci, ça va pas être la même. Alors, ça y est, ajouter des indices. Nous allons ajouter des indices. Un pour un, pas un indice. Et on peut pas parler au chef, il va crever le chef, il est tout vieux. Ah ouais, papy, hein. Ouais, ah d'accord, lui discute sur MSN au lieu de bosser. C'est beau la vie, hein. Ah, les Sims. Y'a pas beaucoup qui bossent, hein. Ah, le Hulk a gagné de l'imagination. La journée se travaille dans une heure. C'est pas grave, on va pas rester tard pour le coup. Donc ça veut dire aussi de s'occuper des gosses, hein. Ça, c'est un problème. Ah, allez sur la scène de crime. Bon, bah voilà, c'était trop tentant. Nous allons aller sur la scène de crime. Parce qu'on n'y va pas assez. Voilà. Cette fois-ci, on va y aller. Ouais, on reste tard, ouais. Après, ça repousse aussi, je crois, la mort de... Oula! La mort de Manon, mais c'est pas grave. Ah! Bah tiens! Mais quel flic de terrain, celle-ci, alors? Elle est rarement au bureau, hein, mais elle aime bien se balader, hein. Feignasse. Pfff! Qu'est-ce que c'est que cette... Hein? Franchement. Bah vas-y, marche sur les indices, toi aussi! Ah! Ah! Un petit cambriolage? Parce qu'il reste plus grand chose chez vous, monsieur Damon. Ah, vas-y aussi, prends mes indices, connasse. Si vous avez la scène de Shirley dans le nouveau trailer. Hein. Loul, qui ça? Elle? T'es dans le trailer, toi? Ah, je suis tellement horrible là-dedans, mon dieu. Ce n'est pas qu'on se va. Merci, Gendia, pour ton follow. Bienvenue à toi. Et attendez, mais enfin oui, j'ai baissé la cam à cause du pack. Alors, t'as pris en photo, est-ce que tu peux chercher des indices ici? Ah non, il doit pisser, oh là là. Tiens, j'ai un petit Jamie qui se réveille. Petite décoration de l'intérieur, les enfants. Va falloir embaucher, hein, parce que là, il y a du taf, hein. Et puis là, t'as pas de toilette, mon gars. Hein. Va falloir que tu te retiennes. Hein. Tu fais un nœud. Hein.
Y a rien? C'est trop bon. Prendre une photo, ça. Ah, recueillir la ah oui. Enregistrer la déclaration. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a pris une photo par là? Il est fou. Mère, il est fou. Voilà. Obtenir une autre enregistrer la déclaration de madame. N'hésitez pas, madame, dites-nous tout. Oh, la belle Sims. Ouais, je sais pas d'où elle sort. J'aime bien sa couleur de cheveux. Obtenir encore la déclaration, c'est madame. Madame Chantal. Madame Chantal de la Cruz. Marina et Juliette. Juliette n'a pas fourni beaucoup d'informations, mais peut-être que ça sera utile pour résoudre l'affaire. Ouais, super. Chantal a fourni de précieuses informations sur le crime. Mais c'est une Chantal, c'est pour ça. Mais les Chantal, elles ont une grande langue. Ah, on connaît notre chanson international. Hein. Nous retournons. Oui, 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 c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ce sera trop facile, on va coincer le cambrioleur très facilement. Ils ont même piqué des chiottes. Prends l'adresse de la petite blonde. Non, 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 non. Il y a moyen que... qu'ils se mettent en couple après. Bah, attendez, laissez-le perdre sa femme déjà. Et de s'en remettre. Après, on verra. On verra qui on croise. Je pense pas, mon petit, que tu vas avoir le temps d'arriver. Ah si, 19h. Oui, Jamie. Tu veux venir faire un câlin? Viens faire un câlin. Voilà, petit chaton. Bonjour. Bonjour. Bah, moi, je l'ai déjà vu, mais vous ne l'avez pas vu. Regardez. C'est Jamie qui est là. Coucou, Jamie. C'est pas Titi Coin-Coin, c'est Jamie Coin-Coin. Tu pues la croquette. Hein. Voilà, il vient faire un câlin à sa maman. Parce que là, il faisait dodo tout seul, comme un grand garçon. Analyser une preuve, ça va être long. Ah, l'ordi est réparé. Tu vas comparer les informations. T'as vu, c'est les Sims. T'aimes bien, toi, les Sims. Hein? Oui. Il aime bien. Oh, mais putain, et l'autre con, il a piqué, putain. Pardon. Je suis vulgaire. Coco. Petit machin. Salut! Salut, moi je m'appelle Jamie! Voilà! J'aime bien les Sims et j'aime bien ma maman! N'hésitez pas à follow! Et voilà! C'était tout! Voilà! Bon, il aime bien son grand frère, mais son grand frère, il est pas fan! Rajouter des indices! On finit dans 10 minutes! Mais oui! Petit cœur! C'est ça. Et nous avons gagné 1950. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a été une promu, non? 1950 Simflouz pour aujourd'hui. Nous allons voir après si on a eu notre promotion, c'est-à-dire niveau 9. OMG. Oh, non, il a découvert un net 10. Avis de recherche disponible. Ah bah non, nous n'avons pas été promumu. Oh. C'était trop beau. Attends, on a résolu nos affaires et tout. Comment elle va, Opalinette? Opalinette, Opalinette. Elle est mignonne, elle est super chouette. Oui, c'est vrai qu'elle est choupie. C'est vrai qu'elle est choupie. Les gosses... en fait, je sais plus, la semaine dernière, on avait regardé les bambins et ils faisaient peur. Là, comme ça, elle est mignonne, mais... Est-ce que ça va perdurer dans le temps? C'est la question qu'on se pose. Toi, tu vas sûrement pas faire ça. Et toi, tu veux faire quoi?
Et toi, joue, je sais pas moi, occupe-toi de ton cul. Es-tu mort, toi, les doigts, là? Je te vois, hein. Ah, occupez-vous tous. Ah, et toi, tu vas faire tes devoirs. Voilà, c'est le prix à payer. Il va bouffer. Merci beaucoup, coucou Rodi, comment vas-tu? Et merci énormément pour l'abonnement offert à Emsdrow. Ça y est, vous êtes tous passé le mot, vous voulez offrir des abonnements à tout le monde, quoi. Vous êtes comme ça, vous. Merci beaucoup, Rodi. Gros bisous à toi, Ismaël et Boule, merci énormément. Vous connaissez, c'est pour ça. Tout à fait. Meuf, passe à spi, en fait. Tu vas faire toi. Pas de bêtises. Hein. Il me grimpe sur le. Non, non, tu vas pas mettre ta tête dans mon verre, ça suffit. Tu vas pas bouffer mes maltesers non plus. Alors, comment elle va, elle? Fièvre du rongeur enragé dans 9 heures. Ah! Il y a moyen qu'au petit matin, madame soit dans un sale état. Elle a cassé son aspi? Jamie. Sinon, fais la vaisselle. Hein. Oh, sois utile un peu. Bon, Jamie! Ben, il marche sur le clavier. Donc, forcément, il fait n'importe quoi. C'est chiant, hein. Oui, des gifs sub. Oui! Des gifs sub. Wouh! Wouh! Regardez ce ventre. Il est trop mignon, son petit bidou. Il est mignon le petit bidou de chaton. Il est mignon le petit bidou de chaton. Ouais. Vous savez que ça fait déjà un mois hein, qu'il est à la maison. Déjà plus d'un mois. Il aura presque déjà vécu plus sa vie ici que là où il était. Parce que je l'ai eu plus tôt que prévu, mais il n'avait pas du tout l'âge qu'on m'a dit. Donc, Oui. C'est vraiment ta maison ici, hein. Non, je mérite rien du tout, Emsrose. Bon, il crève quand la meuf de Toyala, qu'il puisse pêcher la blonde. Quelle blonde? Quelle blonde? Et la petite... oui, d'accord. Non, ça va, elle allait bien. Toi, tu fais tes devoirs. Mais tu peux écraser ça, marcher dessus. Avec ta mère, va passer la spie. Et papa... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas aller te reposer? Non! Fais des longueurs un peu, muscle-toi. Oh là là, mais ça c'est quoi ça? Tu vas venir... Toi tu vas venir nettoyer. Là. C'est toi qui fais la con, la saleté. Là. Kéamine. Saleté de gosse. Et après t'iras... jouer avec. Ah oh, mais ils sont trop petits encore. Je voudrais faire son... Ah, quoique... Oh oui, bon, on la mettra dehors et ils joueront ensemble. Bah, c'est là, ça va être le week-end. Elle, je sais pas si elle bosse. Non. Bon, bah c'est bon, elle va crever, Manon. Il s'appelle comment? Lui, il s'appelle Jamie. Oui, tu fais sa petite toilette, là. Voilà. Le petit père. Le petit bébé, à sa maman. Celle qui était en compète avec la brune. Je m'en souviens même plus. C'était il y a longtemps. Il s'est passé des choses et j'ai dormi depuis. Mets-moi ça là. Puis il aime bien les câlins, mais il reste un peu moins parce que. Il fait chaud. Donc contre moi, il a beaucoup plus chaud. Eh oui? Bah oui, hein. T'as chaud, j'ai chaud, on a chaud. Bah oui qu'on a chaud. Je crois que j'ai l'impression qu'il kiffe quand je fais nez à nez. C'est un enfant. Moi, vous me mettez un chat, je suis gaga. Vous me mettez un enfant, je suis... Je me barre. Je dis, il va bientôt gueuler, donc... je vais loin, là-bas, très très loin. Il est où ton frère?
Va chercher ton frère. Va le voir. C'est très élastique, un chat à cet âge-là, hein, ne vous inquiétez pas. Et tu pues, mais elle pue, hein. Va pisser, machin, tout ça. C'est pas grave, si tu manges, tu feras des économies. Tu me diras, économie d'eau et tout, si tu veux pas te laver non plus. Hein. Regardez là. Some people felt the dungeon. Don't you forget to the dance. C'est ça, non, l'alerte à Malibu. Je suis même pas sûre. Je chante ça, je suis même pas sûre que ce soit ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu demandes pas à ta sœur. Va pisser, cocotte. Je crois que toi, tu sais pisser toute seule comme une grande. Yes, eh ben, super. Et le Hulk, qu'est-ce qu'il raconte? Le Hulk, ah oui, le Hulk, il a des pommettes à un menton. Ah, qui font peur, quoi. C'était la version simlish, ça veut dire quoi, Tom Pouce, que je sais pas parler anglais? I don't speak English. That's what you're saying, like that? You are saying that because in one click I can ban you forever and ever and tell him I love you forever, forever and tell him I love you. Non? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Faire des longueurs, mais tu veux mourir? Ça arrive, t'inquiète. Va regarder un film un peu. Et si tu veux, je t'envoie tes enfants te parler. Quelle jolie couronne, monsieur, monseigneur. Je vous laisse le chemin. Mais encore la poussière, wesh, elle vient de passer la spi. Aïe, aïe, aïe. Tire à parler à ta mère un peu, parler des jouets, tout ça, parler de camions, parce que c'est sa passion, la pomme. Pomme, elle aime les camions. Elle aime les camions, les poètes, les camions poètes. Parler de super-héros. Oui, bah regarde le film, meuf, c'est bon. T'inquiète, il te reste plus longtemps. Dans 5 heures, tu devrais crever, ou presque, donc ça devrait aller. Tu vas baver partout? Merci pour ce moment. Comment? Tu écris un livre, Martial? Et c'est l'heure de la pub! Parce que Louis a acheté la pub. Donc je remercie toutes les personnes qui verront une petite pub. Ça veut dire que vous soutenez le stream. Et n'hésitez pas à mettre dans le chat que vous avez vu de pub. Comme ça, je sais à peu près qui a vu quoi. Et puis merci, tout simplement. Donc on se retrouve dans 30 secondes pour ceux qui le verront, qui la verront, qui les verront, je sais pas. Et bah sinon, bah pour les autres, ça continue tout de suite, hein, évidemment. À tout de suite. Pas ouvert mon panneau. C'est parce que t'insinues No, I understand very well what you are saying, what you are meaning in your head, ok? Pour Amazon, ça fait longtemps. Ah, Martial, il écrit pour Amazon. Oh, il est trop fort. Il est trop fort, ce mec. Qu'est-ce que je vous dis? La pauvre. Vas-y, fais connaissance avec tes gosses. T'as raison. Ils vont pas avoir beaucoup de cas de souvenirs de toi. Je suis méchant. C'est quand l'anniversaire de Opaline. Alors Opaline, eh bien son anniversaire, c'est dans 9 jours. Pardon, parle à ta mère, t'inquiète, il te reste plus longtemps. Bah oui, tout ton enfant profite de ta mère en cas de fin d'encore. C'est ça. Regardez-moi ces petits. Ils font « Oh, maman, elle va bientôt claquer. » Il faut que j'enregistre cette image dans ma tête pour que plus tard, je ne m'en souvienne plus. C'est triste. Hein. Elle meurt le jour de l'amour. Oh, merde! Non, le jour de l'amour, il va être fini, là. Attends, il est quelle heure? Ouais, il va être fini. Hey,
Allez, pour l'endormir, on va mettre le Hulk et on va mettre la pomme. Foulez au lit. On va plus les voir. Tabarnak. Pomme, pas opaline. Ah, bah voilà. Popom, elle, c'est dans 0 jours. Donc ça devrait aller assez rapidement, je pense. Et voilà, c'était horrible le jour de l'amour. Mais va te coup. Mais. Pourquoi tu te lèves en vrai? Ta fille, elle t'a appelé avec un lien psychique. Non, tu psychiques pas. Qu'est-ce que tu fais toi? Ah, va aller bouffer. Ouais, va bouffer si tu veux. Donc ta mère, elle endort ton frère. Profite mon petit, souris, c'est ça. Ah, regarde, oh maman. Maman, elle proute, comme les Suisses proutent. Elle pue le prout, maman. Ouais, ta mère, elle pue le prout. Et bientôt, elle va sentir la mort aussi. Ouais, j'ai un choc qui gambade à mes pieds. C'est le petit, hein. Sinon l'autre, vous savez très bien que je peux pas l'attraper. Pour l'instant, le petit, je peux encore l'attraper. Il se laisse attraper volontiers. Elle pue la mort, c'est ça. Ouais, laisse ta fille manger, hein. Mais non, Jacqueline, elle mange. Putain, c'est quoi ça? Asado. Et Asado, d'accord. On va mettre ça au frigo. Hein. On va pas perdre la bonne barbaque. Que même, ce serait tristasse. Bah, elle profite, hein, c'est ses dernières heures, je crois. Après, je sais pas si elle meurt vraiment dans 2 heures ou si dans 2 heures c'est un autre stade parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, je découvre en fait. Salut Quentin! Au revoir Quentin! En plus, elle est covidée, saloperie. Va faire une sieste. Ça te dit, tu économises l'argent pour ce cadeau. Oh! Vous êtes pire que moi! Trop d'émotions aujourd'hui, les enfants. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je dise, vous? Hein? Le jardin est grand. Oui, j'avoue. J'avoue que... là, t'as quelques cailloux, quelques palmiers. Tu creuses un petit trou là. Au pire, t'en mets un petit peu ici. T'en mets un petit peu là. Puis regarde là derrière. En vrai, voilà, il n'y a personne qui ira ici. Donc, je pense que tu peux creuser aussi un peu. On dira rien. C'est assez discret comme quartier. Oh la petite gosse! Bah va dormir ma biquette. Merde, j'ai bougé le lit. Mais d'où? Oui, c'est vrai que ce lit-là, c'est un truc qui bouge. Allez maintenant! Manon va mourir. Ah! 13 minutes! 5, 4, 3, 2. Fatiguée. Mais on est d'accord, je lui ai dit d'aller dormir. Pourquoi elle monte les escaliers, cette idiote là? Ouais, ouais, elle m'a fait perdre le compteur là, saleté. Hein? Chouchou mort. Contagieuse. Non, c'est un nouveau stade, c'est bien dommage. Contagieuse. Nyeh. Manon est devenue dangereusement contagieuse. Les Sims à proximité risquent d'être contaminés par la fièvre du rongeur. Allez, crève. Je t'aimais pas d'abord. Oh. T'es une jalouse, Marie. Parce que c'était pas ta Sims. T'as fini ton puzzle. Ah, t'as un puzzle Stranger Things. Trop bien. Robot de bailleuse, car je l'ai fait en même temps. Ça veut dire que je suis pas psycho... Je sais plus quoi. Si vous baillez pas, par contre, vous risquez d'avoir des problèmes. Manon devrait chercher de l'aide de toute urgence en faisant des recherches sur un ordinateur ou en consultant son vétérinaire local. Non traité, la fièvre du rongeur enragé finit par causer la mort des malades. C'est quand que tu crèves? Mort dans 23 heures!
C'est le week-end en plus, l'enfer. Va falloir que je guette et la foutre loin de tout le monde à chaque fois. Alors oui, je pourrais l'enfermer dans un périmètre. Mais on est humain ou pas humain quand même? Tu vas t'as... Putain, elle me saoule aussi. Hé, hey, bouffe, bouffe, bouffe. Je t'ai dit de dormir en fait. Ah, maintenant c'est elle qui se réveille. Du coup, vacances sans elle? Bon, en fait, si on n'y va pas, je crois que ça retarde la mort. Donc, en vrai, je ne vais pas forcément tenter le truc. Enferme-la, on s'en branle, on l'aime pas. Mais t'es malade, Marie! Oh, ça craint de mourir un week-end. Ça dépend. Ça peut être un week-end pourri, un week-end pluvieux, tu vois. Je pense à toi quand j'étais acheté, il y en avait un gote. Et tu m'en as même pas offert un, Elisa. Ça ne va pas du tout, cette histoire. Punaise, encore 24 heures, c'est ça. C'est long, hein. C'est horrible hein, d'attendre la mort comme ça. On le sait, hein, elle est programmée, hein. Vous avez voté, mais... Parce qu'en fait, c'était trop bizarre comme ça. Je me dis, mais elle a... Elle a pas de bronzage sur les fesses. C'est... Elle passera l'aspirateur, et puis... Ce sera très bien. Donc, Toto... Totoya. La bonne barbac de la Sado au petit-déj. Bah, va à la plage toute la journée avec les enfants. Bah, pareil, hein. Ça va retarder, hein. Je crois. Tant qu'il s'approche pas. De toute façon, Toya, on va le sauver. On est obligé. Tu sais, tu peux faire la vaisselle. Ça m'arrange. Tu prendras la place de ta mère, donc il vaut mieux que tu t'entraînes dès maintenant. Elle s'accroche à la vie. Elle se saoule avec le bruit des mots qui l'entourent. Allez, pas pisser. Va te laver. Fais ta vie. Totoya. Oh, mon Dieu, que tu es beau. Incroyable. Elle, bien elle. Le bonsoir, les amis. Salut, Paulinette. Comment tu vas? Qu'est-ce qu'il veut faire, lui, social? Pourquoi t'aurais besoin de social? Regarde, il y a quelqu'un qui arrive, là. Il est sexy, Hector. Hector Daville. Hector, il a une belle petite barbiche. Oh, Hector. Hector, tu as des yeux fantastiques. À de sourcils épilés. Hector, tout beau. Hector, tu es sexy. Hector, tu m'excites. Salut, Tandori, comment vas-tu? Tu achètes des remèdes, mais pas pour elle, sinon, au cas où, il viendrait que... Oui, mais on le fera, mais... Voilà. Ah, tiens! Comment elle va? Melba. Putain, Melba, je te reconnais pas. Ah, putain, elle a pris du cul aussi. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Je lui ai mis ça, moi? Bon, je dois finir de faire ma valise. Je reviens. Au revoir, Marie. Bon voyage, Marie. Hector dans mon lit. Ah non, Martial, là, tu me déçois. Hein. Quand même, t'as vu le machin, toi? C'est une blague, hein, quand j'ai dit qu'il était beau. Hein. Après, chacun ses goûts, évidemment. Vous avez vu ma gueule, quoi, déjà, présentement. Déjà, lui, tu vois. Il est mieux. Ah oui, c'est Siméon. Je sais toujours pas qui c'est, mais c'est Siméon. Et si mon cul sonnait, tu saurais l'heure. Jules Fougère? Mais c'est le fils de ton Sim, ça, Martial? Jean-Eudes et Luna. Ah bah, Jean-Eudes, c'est... Il a répondu sa semence aussi, lui. Eh, il est pas mal, hein, ce petit? Il est pas trop mal, hein, avec les yeux clairs comme ça. Bon profil, hein. Pour ta fille. Bon, il est peut-être un... J'ai pas regardé son âge, vraiment. 0 sur 13.
Bon, ouais, ça, il fera un peu vieux pour notre petite opaline, hein, mais bon. Pourquoi il se penche comme ça? T'es bizarre, toi, te penche pas comme ça devant les hommes, on sait jamais ce qui peut arriver. Sacré Jean-Eudes, je suis fascinée à faire des six. Par contre, on sait pas qui est Luna, mais écoute, ils ont fait des gosses. Hein. De toute façon, tu as vu la mienne. De la mienne quoi? Et merci Dangerous Girl pour ton follow, bienvenue à toi. Merci beaucoup, Paulinette. Je sais pas de quoi tu parles, mais j'imagine que tu parles de quelque chose de sympathique qui arrive aujourd'hui. Bon caro musti. Tiens. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Tu veux pas aller bosser un peu? Eh, Tyrion, ça suffit. Ouais, ça va, Tyrion, il a 3 mètres de toi. Vous l'entendez, Tyrion, comment il gueule? Attendez, vous allez entendre. Tyrion. Eh, bon, ça va. C'est Titi Coin-Coin. Tu te calmes, Tyrion? Ça va aller? Je sais pas si vous l'avez entendu faire un... Pire qu'un éléphant. Donc oui, elle est encore là, celle-là. Hein. Je sais pas ce qu'elle est tout le temps là. Hein. Elle casse ses couilles aussi. J'en ai eu des dispos sur la galerie avec le dossier Charlie. Tout à fait. J'en ai eu qu'on avait normalement casé avec Sakura, la sœur de Chamallow. Si j'avais pas dit de conneries, on les avait casés ensemble, mais au final ils se sont séparés. Et ils ont fait leur vie. Voilà. Ils se sont renseignés sur la carrière. Mais dis donc, c'est quoi ton taf? Moi qui t'ai vu à mon travail et que t'as le costume qui va avec, mais c'est pas grave. Mais parle-lui pas à lui, c'est à elle que je veux que tu parles. Ah, t'es chiant, hein, Toya. Oh bah oui, oh bah tiens, bon, oui, tout à fait. Alors ça, c'est moi tous les matins. Bah moi, c'est plus comme ça par terre et faire... Je fais ça avec la tête, hein, moi. Et encore, c'est compliqué. Sans tous aspects à propos du cake aux fruits. Ouais, je suis pas sûre qu'elle aime. Hein. Si elle me ressemble. Ah, droit d'auteur du livre reçu. Ça y est, Merguez a pris repris le nom de carrière de notre cher regretté Roger. Mais quelle honte. Elle s'est pissée dessus, elle. Toi, t'as été te laver un peu? Putain, mais tout est dégueulasse ici. T'iras nettoyer un peu? Oh, mais ta mère, c'est ta mère. Hein. Ça, c'est ta mère. Elle est. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es en maillot de bain? Elle était dans la piscine? Ah oui. Oh, moi, je les laisse faire leur life. Hé, Totoya! Non, tu vas pas prendre ça. Tu vas aller se faire bronzer nu. Les enfants, ils sont à l'intérieur, ça va. Il peut sortir le sgeg. Il peut sortir la saucisse et la faire rôtir. En tenue de flic. Tout à fait. Ça, c'est tous les matins, je mets mon képi, tout ça, et puis... C'est sportif, là, bien. Il est en couleur comme bébé chat, ouais. Je t'ai fait un chuchotement, je ne sais jamais si on a le droit de parler ou pas. Ouais. Je veux pas vous voir le vigile. Tu parles de quoi? Si tu parles du teaser qui a été sorti aujourd'hui à 17h. Waouh, la saucisse à Totoya. J'en ai parlé tout à l'heure en début de live. On a regardé ensemble parce que je ne l'avais pas encore vu. Tyrion, tu te calmes. Mais oui, j'ai raconté un petit peu l'histoire sans donner de détails sur quoi que ce soit. Mais j'en ai donné. Alors, on va prendre... Bon, il est à poil, hein, c'est pas grave. On va prendre ça, on va la mettre là. Et la petite, elle va jouer avec ses frères et sœurs. Ah mince. Bon, il est debout. Oh, il pue. Ah ben maman, elle nous lave le cul.
Et j'ai un cadeau spécial pour vous, parce que vous êtes vraiment une bonne personne, que j'apprécie votre gentillesse et votre amitié. Oh, c'est gentil, mais j'en attendais pas tant. Moi, je suis plutôt malveillante, tu sais, madame. Ah, c'est à Toya que tu parles. Il a rentré son sgeg. Il a pas bronzé assez. Bah écoute... Tu vas bien jouer avec l'un des deux, alors attends. Ça suffit, Tyrion. Ouais, la petite, avec ta sœur. Vas-y, va jouer avec ta sœur. Jouer avec Pomme. Vous savez, maintenant que j'ai terminé ce que je voulais faire, parce que j'ai encore un peu... Vas-y, je m'en fous, fais ta vie. Qu'est-ce qu'il raconte, Toya? Tu vas faire des grimaces. Tu vas taquiner de manière malicieuse et après tu vas chanter des chansons. Ah non, tu vas pas être malicieux. Laisse ton gosse tranquille. Oh, elle est trop cute, elle, avec son petit volant sur les fesses. J'aime trop. Mesdames à vos jumelles, Totoya bronze à poil. Qui se mettent sur le ventre sans nous faire un bronzage comme Ross. Ah non, dans les signes, c'est magique. Hein. Tu bronzes d'un côté, mais c'est ça, la réverbération sur le sol, ça fait que tu bronzes aussi de l'autre côté. Si, si, t'inquiète, Tandori, elle arrive, on est dans le dernier stade. Elle est contagieuse, donc là, il faut pas trop qu'elle s'approche de Toya. Elle meurt dans 13 heures maintenant. Donc, c'est bon. Ça va venir. On m'arrête au boulot, j'en profite. Ah, coquine! We so freak so pointy far. Half a shumbashi fugar. Allez, on va voir un peu comment elles jouent toutes les deux là-dedans. Ah, bah elles font que ça? Oh, je suis déçue. Jouer avec Pomme. Je pensais que c'était... qu'il y avait un peu plus d'animation que ça. Non? Fais gaffe, hein. Oh, il apprend son fils. C'est bien, mon petit. C'est bien, le Hulk. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ouais, elle dort. Wow, comme ça, pendant ce temps-là, elle envenime personne, donc c'est parfait. On va la laisser dormir. Et les deux petites, bah, elles jouent dans leur toute nouvelle tente. Mmh. Fais Totoya les effrayer quand elles sont dans la tente. Ah! J'ai pas suivi le début du live, pourquoi elle va mourir, ta Sim? Parce qu'elle a la maladie du rongeur, Dangerous Girl. Elle a chopé notre rongeur qui s'appelle Merguez, lui a bouffé le doigt, et puis bah ça l'a infecté. Alors, il y avait Roger, mais Roger est malheureusement mort. Ah, mince, il va falloir nettoyer ça aussi. Tu peux nettoyer l'habitat, s'il te plaît, et donner une friandise, mais te fais pas bouffer, s'il te plaît. C'est comme ça qu'on attrape la maladie. Et après, c'est le chat, les abonnés qu'il y a sur le chat, qui ont décidé qu'on allait la laisser mourir, tout simplement. J'ai proposé le choix, qu'on la garde ou pas. Et chat, il a dit non, qu'elle crève. Bon, c'était serré. Ça s'est joué, je crois, à une voix, mais... c'est quand même la mort qui a été choisie. Mais c'est la mort qui a été choisie, Marcia. C'est la mort qui t'a engueulé. J'ai viré le tapis. Je sais pas où je l'ai foutu. Il est là, le tapis. Voilà, donc le tapis est revenu. Petit tapis, tapis velu, tapis, tapis dans la nuit. Tiens, tu vas faire des longueurs. Après, tu pourras pas te faire bronzer parce que tu ne peux pas bronzer. Et toi, tu meurs dans 11 heures. Si, c'est bon, c'était 13 tout à l'heure. Non, d'un seul coup, je me suis dit, bah, non, elle rallonge de vie, elle. Mange ta saucisse! Petit con. Oh.
c'est qui était faire caca là des deux là. Pouh, ça pue. Je me suis fait atomiser. Je savais pas que je pouvais mourir avec une morsure de hamster. Et si, ça c'est avec le kit premier animal de compagnie. Vu que c'est dans ce kit là que tu as les hamsters. Et effectivement une nouvelle mort a été mise en... Avec. Ah, elle aussi elle mange. D'accord. Bon bah écoutez. Nos petits bambinous. Pomme et le Hulk. Voilà voilà. Alors ils font peur hein, de près. Donc, je m'approche pas trop. Et puis on verra bien ce que ça donne quand ils grandiront. Hein. Ah, tu l'as pas. Après, il a pas eu très bonne presse non plus, mais... En gros, bah moi, j'ai tout. Hein. J'ai tous les packs. Donc forcément, ça aide. Il y a des saucisses, mais madame, elle préfère bouffer le cake aux fruits gastronomiques. Vas-y, tous dans la bouffe, wesh. Elle est folle, celle-là aussi. Alors, elle fait des longueurs. Parfait, après tu pourras les manger. Donc ça va, hein. C'est ça se passe relativement bien. On n'a pas trop de contact avec la Covidée, là. Miss Covid 20. Parce que nous, on connaît Covid 19, mais... Elle, c'est Covid 20. Elle est dans le turfu, enfin 21, voire 22. On sait pas, hein. D'ailleurs, il y a des promotions Steam sur Origin, et ben voilà, comme ça, vous, si vous manque des choses, n'hésitez pas à aller voir. Je ne connais pas les promotions, je peux pas vous le dire. Mais si. Si Martial le dit, c'est que c'est vrai. Et tchou! Befete Shimagra. Grinoy Foibi. Miss Stevie Flina. Profite à tes enfants, t'as raison. Mort dans 9 heures. Oh là 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 là. Tu grandis canne, toi, petite coquine. Ah bah elle clignote. Nickel. Papa, alors toi tu vas après faire le ménage. Papa, tu peux faire un gâtal s'il te plaît. Déjà tu fais quoi? Je l'entends rigoler. Tu vas faire un gâtal au chocolat. Au chocolat. Et puis il va... Ah bah voilà. J'allais dire il va inviter la famille. Oh elle a pris dans la gueule là, Dahlia. Oui c'est Dahlia. Ouais, elle est un petit peu vieille Dahlia. Ça va être comme ça la vie hein. Présenter amicalement à... Et toi, tu vas passer l'aspirateur. Au bout d'un moment, faut se rendre utile. Et toi, tu vas organiser un événement social. Nous avons invité le peu de famille qu'on a. Parce qu'il a ses sœurs et il connaît pas ses neveux et nièces. Et même pas le mari. Et la femme. Parce qu'il y a une des sœurs qui est avec une fille. Mais je pense pas qu'on les a. Ah, l'anniversaire de Pomme. Invité. Tac, tac. Ah, on a le chef. Eh, vas-y, on invite le chef. Allez, on invite le chef. Madeleine, Karine, Siméon, Chantal, Jules Fougère, Phoebe, Jenny. Ah, oui, c'était Jenny. Je me souvenais plus que c'était la fille qui était en compète avec Manon. C'était Jenny. Manon Rainbow. Bah, elle s'appelle Manon aussi. Bah, dis donc. Melba et Dahlia. Je les ai oubliés. Orion, qui est le mari de Melba, je crois. Charlie et Martial, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre. Et puis, je pense qu'on est bien. J'ai pas envie de... Voilà, on n'a pas les neveux et les nièces. C'est un peu naze. Non, on fait ça à la maison. On va voir Charlie habillée différemment, cette fois-ci. La résidence Rainbow, tout à fait. Dahlia est déjà là. La cuisine est délicieuse. On t'a invité le moche. Quel moche. Je passe par Chine pour acheter les Sims. Vu que sur IG on peut aussi acheter, j'ai pas peur d'en défiant, mais ça sera compatible avec le fait que j'ai tout acheté. Non, 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 ça sera. C'est seulement si tu achètes sur. Instant Gaming que ça me... Instant Gaming via Instant Gaming en fait. Sur Origin, bah, ça fait profit à personne sauf à EA en vrai. Je suis qu'à contact et en isolement, du coup je me sens touchée par sa condition de mise à l'écart, la pauvre... Oh non! Mais non, mais je savais pas! Mais regarde, tu n'es pas tout seul, nous sommes là pour t'accompagner. Alors,
La cuisine est délicieuse. Faire sauter ses crêpes, mélanger cette sauce, Toya est dans son élément. Souhaite-t-il saisir cette opportunité de constater qu'il aime la cuisine. On est obligé, je pense que je vais obligé de dire oui, puisqu'on a dû atteindre le niveau 10 de la cuisine gastronomique. Donc, oui, il aime la cuisine, oui. Ah oui, 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 oui. Trop de corvées, oh, biquette. Tu pourras... voilà, bon, ça se rentre. Comme si dans un été... Tu fais quoi, toi? T'as pas fini de faire la vaisselle? Feignasse, va. Mmh, la soupe au vermicelle. Ah, la tomate. Au vermicelle. Aux tomates. Quelle soupe au vermicelle. La question, je pense, de Coco, si ça fonctionne, si elle achète sur la gel, alors que tu vois si... Ah oui, non, mais bien sûr, pas de soucis. Oui, oui, t'inquiète pas. Elle va pisser, meuf, wesh. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Ah bah d'accord, mais Shirley, elle passe sa vie en costume de flic. C'est un peu... ça fait tiep. Draguer. Oh bah dis, Martial. Oh, Martial, il s'est lâché, hein. Alors, ne vous fiez pas à ce Sims, il est beaucoup plus beau. Il ressemble pas à ça. Enfin, dans les grandes lignes, peut-être, mais ce pif, là, c'est pas son vrai nez. Non, non, c'est, non, non. Non. Je vous assure, il est beaucoup plus beau que ça. Beaucoup. Shirley, passion flic. Écoute, je dois avoir ça dans le sang. I don't know, but it's okay. It's okay, Ems, it's okay. Ems, tu vas parler de l'école. Ah, il y a Tati qui est là aussi. Présentation amusante. Son Ernest pas réel. Non, c'est pas le bon. Il me ressemble comme trois gouttes d'eau. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi, toi? Putain, mais ça pue, c'est la merde. Et tu veux grimper voir maman, toi, encore? Tu veux voir maman? Viens, chaton. Mais lui, sa belle robe à Shirley. Ah bah, si elle a envie de venir en flic. Eh, elle est peut-être en... Comment ça s'appelle? En service, hein? Attends, tu lui as mis une voix méga aiguë ou c'est moi? Mais t'as mis une voix de femme. Mais tu lui as mis une voix de femme, mais t'as pas bien, toi. Hein. Mais t'es un malade, hein. Raconter une blague sur les ingénieurs. Parler des rêves. Quoi, tu parles de ta femme? Bah oui. Ah, elle est à côté de toi. Non, elle a une robe à pellette, allez. Une robe à pellette? Une robe à pellette. Commode, changer la tenue. Ouh. Oh putain. Ah oui, celle-là, tu veux? Oh, c'est peut-être un petit peu guindé pour... Ah, tu vois qu'elle a une tenue de flic. Tant qu'elle est un peu en culotte. Voilà, elle est en soutif, donc... Eh, robe à paillettes. Waouh! Quelle belle robe de sirène. Ah, elle est hanche large, hein. Monte ton chaton. Bah, t'inquiète, il se monte tout seul. Là. Coucou, il m'appelle Jamie. Il y a beaucoup de lumière, là, mon biquet. Oui. Oui. Bah oui, chaton. Bah oui, maman, qu'est-ce que tu me casses les couilles avec ta lumière? Bah oui, on m'a demandé de te montrer. Hein? Oui. Mais la voix que tu lui as mis, mais t'es un malade. Tiens, tu fais quoi comme boulot? T'arrêtes? Non. Mais tu lui parles? Parle pas à ta mère! Tu vas être malade! Arrête, j'aime pas quand tu fais ça. Putain, on a un shot qui est cassé. Ah, mais il est là, le chef! Mais oui, mais qu'est-ce qu'ils font dans la chambre des gamins? Ils s'en vont pas bien. Salut, chef, comment ça va? On va partager des secrets de cuisine. Ils sont tous enthousiasmés à propos des gâteaux. Ça va, je te dérange pas, Jamie? Ah, oh! Ça va bien, oui? C'est un malade, ce chat. C'est un fou, hein. Vous saviez, c'est ça. Et votre gamin? Bah, ça, faut voir si Opaline, elle les a rencontrés à l'école ou pas.
Elle est en chaleur, Charlie, attention. Il fait quoi dans la vie, Martial, ou pas, là? Qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur la carrière. Je veux savoir ce que tu fais dans la vie, mon petit. Il est barista. Ça va, je roche pas, Jamie, là. Oh, ça suffit. Après la mort de Manon, faut pêcher Shirley Kappa. Non. Shirley, elle est mariée à Martial et ça restera comme ça. Allez, c'est l'anniversaire de la petite, là. Aide à souffler les boujax. Pomme. Change avec le MCC, je suis même pas sûre d'avoir touché. Récompense de points pour montrer le chat. Non, je te dis, je peux pas les forcer à venir. Bonne idée, arrobase, il taille une fois les Sims, je vote pour. Non. Charlie est fidèle, tout à fait. Elle n'a Dieu que pour son mari. Du drameux. Du drameux. Elle va pas tromper Martial, mais j'avais de la vie. Eh, ça suffit. Regardez, ils ont un enfant. Accueil, perfection sur la jetée. Voilà, en plus, t'as vu, moi où j'habite? Tu peux pas test. Détective. Le peuple veut du drameux. Du drameux? Mais pourquoi elle dit drameux? C'est quoi qu'on avait déjà pondu avant? Je me souviens plus. Ah, un sondage pour Coco. Et Pom-Pom a vieilli, j'ai pas regardé le vieillissement, j'ai loupé tout ça. La 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 la. On peut me mettre le lien, s'il vous plaît, note. Sonberry. Paf! J'ai pas les règles, je me souviens plus des... comment ça s'appelle? Des traits. Pêche, vert. Alors, délicat, geek et joyeux. Merde, bah non, c'est pas ça que je veux faire. Pff. Alors, on va faire geek. Voilà. Et l'aspiration... Je vais faire comme la dernière fois. Ouais. Je sais où. Ah. Ok, c'est parti, on va faire ça. Et c'est bon, la petite biche, elle a vieilli sans nous, parce que ça a pas voulu. Ouais. Enfin non, c'est bon, je crois qu'elle a eu son anniversaire. Ah oui, c'est bon, j'ai rien dit. C'est juste moi qui étais omnibilée par le vagin de ma Sim Self. C'est l'immaculée conception, hein, les enfants avec Martial. Sympa, hein, elle a... Et je trouvais qu'elle avait un bon look, la petite Manon, là. Ça passe, hein. Bon, le chapeau, peut-être pas, mais le reste, c'est pas mal. Et salut, tu vas bien? Black perso. Bah oui, faut raconter sa vie un peu. Enlacer tendrement. Bah ouais, c'est la sista. Qu'est-ce que tu fais? Bah, elle dorme tout est dedans la tente. C'est mignon. Mais non, on veut voir ta tronche, toi. Et toi, va pisser. Bon, la mère, je la laisse dans... Elle meurt dans 4 heures, mais elle est en train de dormir sur la part de pizza. Non, viens ici qu'on t'observe, on veut voir ta tête. Sondage demandé par Coco Juju. Toya prendra pour deuxième femme Charlie, sachant que c'est pas quelque chose que je vais faire, hein. C'est toi qui veux savoir la tendance du chat, mais ça veut pas dire que ce sera quelque chose que je vais respecter. Alors ma petite, j'allais dire ma petite Coco Juju, ma petite pom-pom. Bon bah là, elle a une tête de garçon. Elle fait très garçon, je trouve. Ils peuvent dormir dans la tente. Bah oui, Marie. Ils peuvent dormir dans la tente. Ça va, je te dérange pas, toi. Oui, mais t'as un trop gros cul. Oui, mais arrête de vouloir me bouffer la bouche tout le temps. Si je te mets là-dedans, tu vas être trop gros, là. Vache. Si je te mets dans le soutif, ça passe plus. T'es devenu trop grand. Puis là, j'ai pas beaucoup de place dans cette robe.
Bon, elle fait un petit peu garçon. Très beaucoup garçon, je trouve. À voir. Peut-être qu'on s'est trompé à la naissance, que finalement c'était un petit mec. Parce qu'elle avait juste un petit clito qui tombait un peu trop. Tu peux faire connaissance avec tes tantes. Oh, il me fout ça. Ça me bave là, gros dégueulasse. Et pof, tu fais la vaisselle. Merci Martial pour l'abonnement offert à Camille. Merci beaucoup. Bisous à toi Ismaïlou, merci énormément pour le soutien, le soutif, le soutaf et le soutuf. Je vais tout sur laisser pour m'amuser voir la réponse. Oh, ouais. Les gens veulent qu'elle fasse cocu sous mes yeux, c'est ça. T'imagines l'horreur. Regardez comme il est beau, il s'accueille. Hein? Il a adopté le style de Legacy. Hein? Mais il s'est trompé de partie, Martial. C'est pas la bonne partie. C'est vrai qu'en vrai, t'es beaucoup plus beau que ça. Hein. Je suis désolée. Oula! Le chef, il... Oh merde. Oh bah, j'ai bougé le tapis. Il y a tout le monde qui est bugué. Vous avez vu qu'ils restent quand même à proximité tout le temps l'un de l'autre. Hein. Moi, j'ai envie de dire... Mais tu vas pas faire le ménage, wesh. T'as une femme pour ça. Et le chef, comment il va, le chef? Partagez ce grain de cuisine. Et toi, tu vas faire le ménage, ça t'apprendra. Après, t'iras pisser. Le petit... Le Hulk. Il se fait chier, le Hulk. Tu vas faire des câlins. Et puis après, t'iras dormir. Voilà, c'est tout aussi bien. Et après, toi, tu vas aller dans ta chambre. Fête d'anniversaire gagnée. Et sa chambre, elle est là. Donc, ce sera... Attribuer un lit. Pom, 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 pom. Elle va finir noyée. Hein. Elle va pisser dans l'eau. Vas-y, pète. Oh, tu peux pas péter dans l'eau, je te jure, ce serait rigolo. Voir le bon côté des choses. C'est mignon, j'avais jamais vu ça. Tu peux, en cliquant sur le Sims qui est joyeux, vous pouvez voir le bon côté des choses. C'est marrant. I didn't know. Qu'est-ce que tu veux, toi? Salut Ricardo, comment vas-tu? Il manque les cocos. C'est qui les cocos? J'ai le droit à un soutien dans nos épreuves de couple. Je reste choquée, déçue qu'il n'y ait pas eu une seule fille brune. Ah oui. Bah il y a eu trop. Ouais, c'est vrai qu'ils sont tous blonds. System. Jay McCorbeuf. Ouais, va dormir mon biquet. Tu peux manger ça, une omelette, et tu peux... Non, bah, je vais le ranger moi-même, j'ai compris. Tu t'emmerdes pas. La petite esclave. La petite fille esclave. Esclave, pas esclave. Ah oui, vous êtes 60% à voter oui. Que comme quoi, Toya, il voudrait bien... D'accord. Quand même. Est-ce moi où il y a une notif où Toya a de la fièvre? Toya se sent pas très bien. Une douleur d'un envahit son crâne. Fièvre et vertige en 19h. Maladie du rongeur transmissible. Oh putain. Ah il est malade aussi. Ils vont tous crever. Ah, c'est le Covid hein. C'est comme ça que ça commence les enfants. Ça commence avec un hamster ou un tatou là. Et puis voilà hein. Ça ne s'arrête plus hein. Bon elle va finir par se noyer dans la pistouche là. C'est pas grave. On va le sauver Toya. On en a besoin. C'est notre héritier. Il a pas eu de contact avec sa meuf. Mais arrête d'aller dormir là. Va dans ton lit. Elle va bien se coucher dans son lit. Voilà, c'est très bien. Cluster chez les Rainbow. Exactement. Ça craint. Karma. Dédicace spéciale à Martial du futur.
Bah, et le Martial du présent, il est beaucoup mieux. Enfin, le bon côté des choses, à quelques heures de la mort, c'est beau, t'as vu, hein. C'est poétique. Donc ouais, merci Playland, j'aurais peut-être pas capté tout de suite, mais t'inquiète pas, on va le sauver. Enfin, j'espère. Le truc, c'est qu'il serait arrivé au niveau 10 de la carrière. On aurait pu voter. Chantal, C-L-U-S-T-E-R. Elle a dit quoi? Je me souviens plus. Non, on meurt pas forcément du Covid. Non, mais je sais, mais c'est une blague. Oh là là. C'est une blagoune. Mais dégage, toi. Va pas dormir avec lui. Va dormir dans le jardin. Va dormir là. Tu vas faire une sieste sur tous les transats, comme ça, ça va t'occuper. Toi, tu vas mourir. Ah bah! Ça y est! Ça y est! Ça y est. En fait, elle a essayé de se coucher pour mourir dans son lit de la mort. Mais elle va mourir maintenant. Regardez. Attention! J'ai envie de mettre ça en miniature. Ah, je suis un monstre. Oui, je suis un monstre. Je suis un monstre. Que dis-je ? Je suis un monstre. Je suis un monstre. Oh, oui. Oh, vas-y, ma chérie. Oh, tu es belle. Oh, la mousse verte à tes lèvres vont très bien à tes teintes. Oh, tu es belle. Tu mousses bien. Eh, vous avez un émot de mousse, hein, exprès, hein. Oh, tu mousses bien, ma chérie. Tu es magnifique. Tu es magnifique, comme ça te va bien. Tu sens l'odeur de cette mousse verte. Tu la respires. C'est beau. Je suis désolée, Manon. Tu étais belle. Agent 21 mousse. La pauvre Marine, elle va voir ça à faire, oh putain. Elle a été jusqu'au bout, tu sais. Rip Manon, tu étais bien brave. C'est ça, bien brave et Oh merde, j'ai vu, je vois le... Bon, au moins la chose qui est positive, elle ne bave plus. Elle ne salira plus les draps. Pendant que Toya y roupille. Bien brave, mais on t'aimait pas capa. Oh. Marine, on t'aime quand même, enfin, c'est pas contre... Bah oui, bien sûr. Coucou Marine. C'est triste, hein. Enfin, on rigole, mais c'est triste. Hein, Jamie, t'es triste? T'es triste? Il m'a dit que oui, il était très triste. Le cul coincé dans la robe. Tu es triste, hein, toi. Tu es triste, un petit chaton. Moi, c'est pas de la bave de rongeur que j'ai sur le menton, c'est la bave de chat. Ah! Le Hulk n'en a pas, ne veut voir sa mère. Veut voir le cadavre de sa mère sur le parquet. Il se dit, vas-y, c'est la dernière chose que je verrai d'elle. Allez, faucheuse! Emmène cette âme! Oh, petit bichet. C'est le seul qui s'en occupe. C'est bien le fils à sa maman. Oh, maman. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Qui m'apprendra à me toucher la nouille? Qui donc? Qui? Dis-moi! Elle est morte. Il n'y a que le Hulk. C'est pour ça qu'il devient le Hulk. Parce que c'est lui qui il aura assisté à la mort de sa madre. Et ça, c'est triste quand même. Tu peux venir là, Jean-Claude? Tu vas pas réveiller ton père. T'as pas intérêt. Tu vas manger quoi? Pommes de terre en robe des champs. Ouais, je trouve que c'est pas mal du tout. Oh, ils sont plus que 4, ça fait bizarre. Toya, tranquille.
continue sa nuit. Emmène ce tas. Qui va me décaloter? Bah oui, bien sûr. Alors, c'est sûr, c'est essentiel qu'une mère apprend à son fils. Voilà, elle est partie. Salut Béanaïs, comment vas-tu? Si tu sais pas ce que c'est, il y a Google. Hein? Hein? Bah elle sait quand même, non? Enfin, j'espère. Lul, qui a besoin de personne pour t'apprendre à toucher la nouille. Ah bah, on sait pas. C'est peut-être pour ça qu'il est devenu colère. Parce que justement, il y avait personne qui l'aidait ou qui lui a appris. Hey, salut Floxy, comment vous allez? Oui, je dis vous parce que maintenant je sais un petit peu. Mais j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre prime. Gros bisous et smiley boule tout partout. Ça va, moi Titi. C'est pas mon Titi, mais bon. En ce moment, c'est lui Titi et Titi c'est Dex. Alors moi, je confonds. Je sais plus. Il y a trop de chats dans ma vie. Allez, la faucheuse. Ta rancard. Voilà. Vous ne passerez pas. Bon, c'est triste hein, maintenant. C'est un dimanche d'enterrement. Si encore on avait des enterrements. Il paraît qu'il y a un truc avec les enterrements, les gifs funèbres, je sais pas quoi. J'ai jamais. Enfin, je sais plus. Il y a des conditions à remplir pour le faire. Mais je sais plus ce que c'est. Il faut avoir un certain niveau de charisme et tout. Il y a un truc dans ce genre-là, mais. On sait pas, nous, bah non. J'ai eu un fils, je sais faire. Oh, la coquine. La coquine. Ah, tu aurais pu nous dire, j'ai un mari. C'est l'été et les petites abeilles reviennent butiner alors que sa femme elle est crevée. C'est vraiment pas de bol. Voilà. C'était j'ai mal aux fesses, hein, comme ça vous serez au courant. Salut Opalinoun. Ah ça y est, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je pensais qu'elle allait voir le merguez, mais en fait, pas du tout. Elle va aller manger. Pourquoi t'es triste? C'est pas grave, c'était que ta mère. Oh, je suis horrible. Toya a dit Shirley dans ses rêves. Non, pas du tout. Il fait rien à foutre. Regarde, il sourit. Il est content. Il fait, je pourrais me... Ah! Je pourrais m'en retaper d'autres si j'ai envie. Arrête! Il me lèche le cou, lui, il me dégoûte. J'aime pas, ça me dégoûte. T'es bizarre, toi. Ouais, mais ça se voit que t'es bien à Lannister, toi. T'as des muscles chelous, hein. Il lèche sa mère, ouais, je sais ce que ça veut dire, ça. Marie circoncise, ça aide. Ah merde! On va tout savoir, hein, Paulinette. Je vous laisse demain, si esti grand déménagement à le pad, faut être en forme. Des bises ou agent 21, boule agent 21, boule agent 21, boule agent 21, titi coin coin, agent 21, titi coin coin. Titi coin coin. Ben, Marie, elle va déménager tous les vieux demain, elle va les mettre tous au congélateur. Bah oui, hein, c'est l'été qui arrive, faut bien. Hein, Marie? C'est ça, hein, l'histoire, c'est que tu vas les mettre au congèle. Bon, allez, nage tranquillement en étant d'humeur triste. Ta sœur, bah, elle dort. Toyat, tu vas sûrement pas... Alors Toyat, on va te sauver, toi. Une petite femme de ménage, ça serait pas de refus. Sachant qu'on a la thune, en vrai. Vas-y. On a un petit peu gagné au loto, donc ouais, on a la thune. Le million, il est pas arrivé comme ça, hein. On l'a gagné. Hein. Donc la semaine dernière, on a gagné la loterie. Donc une petite femme de ménage, ça serait pas de refus. Non, non, on a plein de nouveaux mobiliers, ça va être la foire. Ah, je pensais que c'était les petits vieux. Au cimetière plus rapide. Faut qu'ils aient déjà creusé tous les trous, sinon ils vont pas tous les mettre dans le même. Hein. Quoique c'est vrai que les petits vieux, c'est plus très épais. Hein. Tu peux en mettre 2-3 dans le même cercueil. Oh, mais t'es horrible, Shirley. Ah, ça se fait pas. Mais vas-y, on a dit qu'on avait une femme de ménage. Ou un homme de ménage, je m'en fous, moi.
Ils font ce qu'ils veulent, ces gens. Il y a la fosse commune. Ça, c'est pour moi, ça, la fosse commune. Tu serais étonnée. Je veux pas savoir, Marie. C'est... Voilà, ça me rendrait trop triste, je pense. Oui, en fait, Tandoori, ils peuvent en guérir, oui et non. C'est, il faut un antidote. Sinon, ils crèvent. Voilà. Donc, on va aller lui chercher un petit... Mais il a pas de PC? Je suis en train de me... Ah si, il en a un là. Putain, on s'en sert tellement pas dans cette génération que j'ai oublié. Tu veux... quoi? Commander. Les friandises pour rongeur. C'est pas ça. Nous allons commander un peu de la bouffe, tu sais. Médicaments. C'est pas ça. Ah oui, petit cœur. On va peut-être pas commander alors, plus de choix. Pièce d'amélioration, des écouteurs, des colorants, des cristaux. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait? Web. Bien des nécrologies. Ah, faire des recherches sur la fièvre du rongeur enragé. On va faire ça. On peut pas encore pour l'instant. Putain, mais tu casses tout. Mais je t'ai demandé d'aller au PC, mais pourquoi tu peux pas? J'ai déjà galéré à trouver. Ouais, tchoum, ouais. Espèce de covidé, va. Quoi, c'était web... recherche. Ça. Ouais. Bah oui, bah c'est... Oui. On pourrait recruter Daifi. Mais il y est pas. Il n'est pas dans notre série. Enfin, je crois pas que je l'ai mis... Allez, adieu. Ciao, Marie, des bisous. Oh. C'est vrai que le fort... Le fort Mika, peut-être. Le fort Mika, je sais. Faut pas d'abord faire des recherches à la maladie du rongeur pour pouvoir commander. Bah, je pense, Camille, parce que je ne le trouve point. On l'entend ronronner, oui. Regardez quoi, comment il est trop grand, là. Il tient à peine... Là, il y a pas grand-chose qui rentre. C'est ses petits culs. Hein, il ne faut pas faire de recherche avant de pouvoir... Ouais, voilà. Vous répétationnez, mais vous dites la même chose. Okay. Alors, la fièvre du rongeur enragé est une maladie dangereuse. Non traitée, elle provoque la mort du malade. Lorsque l'état du patient se dégrade, la maladie devient contagieuse pour les sims à proximité. Heureusement, de l'aide est disponible. Utilisez un ordinateur pour commander un remède anti-rabique. Vous pouvez choisir de commander un remède ou de vous faire vacciner pour ne plus attraper cette maladie. J'ai tellement l'impression de parler du Covid, je trouve ça trop fort. Préventif. Sérum, on va en prendre deux. Voilà. Je crois que Merguez, il veut notre mort. Nous, on veut pas mourir. Twinbrook. Voilà, Toya. Toya, il est trop fort. Toya, il va pas mort. La 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 la. Oh, bichette. Avec ton méga imperméable, là. Ton méga imperméable. Pas te donner parole d'encouragement. C'est pas grave, demain ça ira mieux. D'accord, je t'ai demandé de faire des ouais. Oh oui, bichette. Mais oui, ma biquette. Et elle, Tu t'es habillée? Oui, c'est ça. Tu veux faire quoi? Demander conseil. Non! Toi, tu vas devenir médecin, hein? Parce que ta mère, elle est morte d'une maladie. Tu vas jouer docteur. Non, n'aie pas peur. C'est logique. Tu...
ce drame va te motiver à faire une carrière de médecin, même si je doute que la carrière... non, c'est avec les ordinateurs geek. Ouais. Je l'avais mis quoi, Ellen Prums? Joyeuse. Ouais, elle sera geek. Et lui, ben, il sera... Ah, ça sent pas le macabé ici, hein. Ouais, ça sent pas le macabé. On est content. Oh, bichon! Petit cœur! Tu vas appeler SOS Tristesse. Le voilà veuf, avec un enfant en bas âge. Tu veux quoi? Mais ça ronronne. Ça ronronne. C'est trop dur la vie, maman. C'est trop dur la vie, maman. Ah bah ce fut court. Des bisous Ricardo. Ciao ciao. Shanaya Venka Taraman. J'ai entendu parler de votre récente amitié avec Charlotte Targaryen, elle est vraiment sympa. Si même les autres Sims le disent, écoutez. T'es pas un peu chaud, toi? Tu me tiens chaud. Hein. Petit cœur. Père, un grand amour. Oh! Oh! Oh, mais t'as gagné 1 million d'euros de Simflouz, qu'est-ce que tu te plains au final? Le truc a rien à voir, tu sais. Ah bah toi alors, vaisselle, douche, bah, t'apprends des bonnes manières, hein. C'est parce que ta mère est morte qu'il faut se laisser aller, hein. Voilà, elle va mieux, elle. Ah non, de l'empathie, tout ça. Je suis joyeuse, j'ai bien mangé, je me suis baignée, j'ai une sucette et je suis contente. Ma mère qui est morte. Ça a pris le jeu, ça. Ouais. Genre, les Sims, ils me flinguent. À chaque fois que t'as des morts, ils en ont rien à foutre. C'est que ton délire. Salut, ça c'est Sasena, comment tu vas? Je vous jure, j'ai chaud. J'ai chaud avec ce petit machin là. Spobani. Ita Farkole. Chantal, encore Chantal? Des Chantal, c'est baraque. Ah, puis en plus on est dimanche, donc on n'aura pas de femme de ménage avant le lendemain. Ma quel bonheur. Et merci Poupline pour ton follow, bienvenue à toi. Ça va tranquillement. Eh ben écoute, cool, tant mieux. Si tout va tranquillement, c'est que tout va bien. C'est qu'il n'y a pas de drame à l'horizon. Enfin, dans un certain sens, c'est très bien. Il commence à... Il est sorti. Là, il a... Il a une patte encore à l'intérieur. D'un seul coup, vous allez voir faire... Tu tiens plus beaucoup, là. Hein? Tu tiens plus beaucoup, là. Attention. 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 Ah, ça tente de grimper plus haut. Ah, ah non. Ah, ah merde. Ah bah voilà. Ah bah oui. Oh, quel joli troufion. Merci, Jamie, de ce cadeau. Tu pues, hein, par contre. Ouais, il va dormir. Ah. J'ai l'impression qu'il m'a bavé là, ça me dégoûte. Ah. Il va dormir là sur mes cuisses. Ah, mon petit chaton, mais oui. Gros cul, va. Non, c'est pas vrai, il a pas un gros cul. Bon, bah écoutez, hein, c'est pas très intéressant, mais il pleure. Il pleure, 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 c'est comme ça la vie. Il ne sait pas quoi dire, alors il pleure, pleure, pleure. Down him, Yadavel. New Miv, Zafol, Zafol. Sabafa, Sabafa. Est-ce qu'elle aussi elle peut appeler SOS Tristesse? Non. Pourquoi c'est que pour les adultes, en vrai, tout le monde a le droit d'être triste et d'appeler. Allez. 13h, oh bah ça va! Oh là là!
Deux jours. Qu'est-ce qu'elle a fait que ça, la patte du machin? Mais t'as foutu tapisser partout? Mais elle est dégueulasse cette fille. Elle est dégueulasse. Tu vas jouer au docteur. Encore et toujours. Parce que c'est comme ça la vie. Oui, oui, oui. Se renseigner sur le passé en. S'enseigner sur le fait de voler en. S'enseigner sur réconforter en. Nous, on n'injurie pas. Hein. Surtout pour. Hein. Salut, petit minou. Oh, merci, c'est gentil. C'est quoi l'histoire? Parce que je viens d'arriver, j'ai pas tout suivi. Tu as tué quelqu'un. Ah, c'est pas moi. C'est le jeu. La mère et la femme donc de Toya. Qui est, bah, c'est le papa. C'est notre héritier. Du notre Sobéry. Génération pêche. Sa femme vient de mourir parce qu'elle a contracté la maladie du rongeur. Parce qu'on a un merguez qui lui a refilé. Et le chat a décidé de la laisser mourir et de ne pas la sauver. Donc bah, elle vient de mourir. Par contre, lui, il a chopé aussi, mais on l'a guéri parce que lui, c'est mon héritier. Donc il y a hors de question qu'il meure. Voilà, et donc forcément, bah, les enfants, ils perdent leur maman, tout ça. Bon, bah écoutez, c'est comme ça la vie. Hein. Et le Not So Berry, bah, c'est un petit challenge qui est sur 10 générations et qui demande, c'est des couleurs, à chaque génération on a des couleurs précises et puis on doit avoir des objectifs à remplir qui sont précis. S'il faut faire telle carrière ou telle aspiration, faire des choses, voilà. Et nous sommes pratiquement à la fin. Parce que nous avons eu déjà bon nombre de participants et d'héritiers. Pepper, la génération menthe, la première. Bordeaux, la rouge. Pulco, la jaune. Nuage, la grise. Lila, la prune. Copper, la orange. Et Chamallow, la rose. Et donc actuellement, c'est Toya, la pêche. Ça se voit pas trop que c'est pêche. Hein. Et la prochaine génération, ce sera vert. C'est pour ça que c'est vert tout dans leur chambre, tout ça. Qu'ils sont habillés en vert. Et après, ils auront les cheveux verts quand ils seront adolescents. Et la prochaine génération sera la dernière. Ce sera bleu. Tout simplement. C'est pas moi, hein, c'est le chat qui a voté. Hein. Moi, j'ai proposé. J'ai dit, bah tiens, ça peut être une idée sympa. On peut la laisser la sauver ou on peut la laisser mourir aussi. Et le chat a décidé de la laisser mourir. Ce fut serré. Attends. Je préviens, je démissionne de Genesis, c'est pas une gonzesse pour la verte. Mais t'inquiète, je suis complètement pour Tundra. On verra si le Hulk est vraiment beau gosse. Alors il sera éligible, mais sinon on se contentera de nos deux filles. Hein. Oui, il roupille l'autre. Il commence à roupiller sévère. Bon, bah après vous faites votre vie en vrai, hein. Moi je m'en fiche. Alors, je pense qu'on s'arrêtera là parce que on est à 1h43 de record. Et donc bah après ça va faire long. Si je refais une journée de travail, ça va être très long. Donc je pense qu'on va finir le dimanche et on s'arrêtera là. En même temps, ce sera une bonne transition la semaine prochaine. Donc on recommence le boulot. On apprivoise la vie sans Manon. On aura relooké évidemment la petite. Pomme verte, évidemment. LOL. Après, tu iras te laver. Et puis voilà. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es fait bouffer le doigt aussi ou... Ça a l'air d'aller. Ouais, elle a pas grand-chose dans sa chambre. Hein. Va falloir qu'on améliore ça aussi. À part un lapin de poussière. Vas-y, nourris-le avec de la poussière et puis marche dessus. Le truc horrible. C'est « Ah, t'es sympa !» et après tu fais « Meurs !» C'est le seul let's play où je laisse la poussière. Je l'ai viré dans toutes mes autres parties. C'est pas contre le Hulk, hein, mais bon. Non, mais je suis d'accord, Tundra. Il faut que ce soit équitable. On a eu 5 garçons en tant qu'héritier. C'est beaucoup de mecs. Et après, le pire, c'est que vous savez ce qu'on dit dans le... Comment ça s'appelle? Le Lord Elnedi, on vient me dire « Allez, je veux que ce soit Perceval. Un mec, ça changerait. » J'ai envie de dire « Attendez, dans le Notso, on a eu plein de mecs. Et c'est encore un mec en ce moment. »
sur le Legacy, on a aussi eu des mecs, et c'est un mec en ce moment, ça va, et... Mais peut-être qu'il regarde que ce let's play là aussi, c'est pour ça. Il l'a écrasé. Oui, c'est un... Mais en fait, c'est un lapin de poussière, ça, Senna. Ça, c'est sorti avec... regarde, on en a ici. C'est sorti avec un des mini-kits qui s'appelle Nettoyage de printemps, où t'as des aspirateurs et t'as ça qui est arrivé, c'est un lapin de poussière. En gros, c'est comme les moutons de poussière chez nous. Sauf que comme aux États-Unis ils appellent ça un lapin de poussière, bah ils nous ont fait un petit lapin. Et en gros, faut passer l'aspirateur et tout. Voilà. Que veux-tu des vieux sont amoureux des mâles? Ah bah après, ça dépend les mâles, hein, mais... Effectivement, t'en as qui valent le coup, hein, ça, on va pas se leurrer. J'avais mis les chaussures. Ah, mais oui, ce qu'on avait fait la chambre, là. Donc j'avais mis les chaussures, j'avais oublié. Ouais, mais parle à Dino, là. Réconforte-le, ça va te faire de l'empathie. Raconte une histoire et puis tu pourras jouer au docteur, tiens. C'est bon, le petit dort, hein. Là, il est à fond dans le coma, là. Il est complètement tordu. Après, il va se casser la tronche parce que je bouge. Tu redoubles la pomme direct. Je pense... On fera, je pense, la semaine prochaine. Je vais acheter ce pack. En plus, elle fait des jeux mignons. Petit bruit. Oui. Puis alors, tu peux nourrir le lapin avec de la poussière. Tu as un petit gameplay avec. Ça peut de... En plus, après, il va te venir te chercher des trucs, il va te ramener de l'argent, en fait. Si tu le nourris avec la poussière, tu vois, tu peux te lier d'amitié, tu peux le caresser, demander à peluche de poussière d'aller chercher des objets de valeur, ou juste tu les élimines, quoi. Bon, après, il te ramène de l'argent tout le temps. Ouais, plus 30, ça doit être lui. Parce que j'ai sympathisé avec un, donc 30 Simflouz. J'ai rien demandé, mais voilà. Et il te ramène de la thune. Va épicer, toi, mon petit. Mon gars. Bon, ça va, il a oublié sa femme, hein. Ça y est. 24 heures. Tranquille et mille, quoi. Puis Altea est tellement jolie, j'espère qu'elle va gagner. Eh ben, il vous reste jusque samedi pour voter, pour ceux qui n'ont pas encore su se décider. L'heure des midi. Bah, pour vous, la rediff YouTube, si vous la regardez en temps et en heure, ben, c'est vraiment les dernières secondes. Hein. Sinon, c'est déjà trop tard. Voilà. Bah alors, chaton, bah oui, tu t'endors, mais tu sais que tu me donnes chaud aussi. Bah oui. Et t'es petit, mais t'as un vrai chauffage électrique, là. J'ai tellement de notifs, là, vous avez pas... tu vas tomber, chaton. J'ai beaucoup de notifs. Beaucoup. Merci les Sims. Il faudra que je vois ça. Parce que là, j'ai un peu regardé Twitter, mais j'ai pas encore regardé Instagram. Et vu que je sais que j'ai été taguée aussi sur Instagram. Ah oui ! Ah ouais, on était sur Instagram. Puis toi, t'es encore la dernière photo. La dernière photo sur mon compte. Donc tu vas voir la côte. J'ai jamais eu autant de likes sur une photo de mon compte Insta. Parce que c'était lui qui était dessus. Même des photos de ma tronche, il n'y a pas autant de likes. Franchement, c'est abusé. Ah, les chats, hein, vous savez, c'est pour ça que je les adopte, hein, parce que ça fait du clic. Ah oui, ça fait du clic. Faut que je fasse une vidéo avec lui, je ferai du clic, je ferai le buzz. Mon petit chaton. Voilà. Coucou. Ou je dis rien, je le montre. Puis je fais des messages subliminaux. Abonnez-vous. Venez sur Twitch. Ma pépette à poil ne fait que coller. Putain, qu'est-ce que j'ai chaud. Je vais mourir étouffé par un de mes chats. Je pense que je comprends mieux pourquoi j'en ai 6. Ah la vache. Après, vous êtes quand même quelques-uns qui me suivaient, qui avaient vraiment beaucoup de chats. Ça va, j'en ai 2. Hein. Ça suffit déjà. Bah alors mon petit biquet, bah le Hulk. Attendez, le Hulk il a... Ah oui, mais attends, il faut sortir de la bouffe. Faut sortir de la bouffe, le Hulk il sait pas manger tout ce. Tiens, viens manger. La bonne barbac. Oh non, ça a pourri. C'était la barbac de maman, elle avait fait. Des pinchos. Je sais pas ce que c'est cette merde. Va le bouffer.
Bon, là, c'est un gameplay un peu tristous, hein. Parce que, tiens, tu vas jeter. Tu vas faire le ménage. Eh oui, tu prends le relève de ta mère. C'est comme ça. Tu deviens adolescente quand? 8 jours. Bon, ça nous fait au moins 2 lives, j'ai envie de dire. 2-3 lives, quand même, ça va être long. Après, il faut quand même qu'on finisse l'aspiration. Donc. C'est lui qui grandit dans 2 jours. Donc, le prochain live, c'est le Hulk qui deviendra enfant. Ça ressemble à un mout, ouais. C'est une coupe de tissu que j'avais achetée et qui depuis sert ouais, pour les chats, quoi. Ouais, regardez pas son trou de cul. Regardez. Coucou. Il se bouffe la queue. Ah, c'est bien ça, c'est sympa ça. Oh là là, oh oui. C'est sympa comme jouet. C'est marrant, quand je le mords, j'ai l'impression que ça me fait mal un peu, mais je sais pas où. Parce que je suis un petit chaton bien, bien bête aussi sur les bords. Je suis mignon, je suis un petit breton. Petite boule de caca. Petite crotte. Petite crotte. Alors, jouet disparu. En affluence à résolution de conflit. Toi, tu peux aller pisser. Il peut le faire, c'est magnifique. Tu sens que l'ambiance elle est chelou dans la maison quand même. Tu vas te donner des paroles d'encouragement. Tandis que Toya, bah, Toya fait des longueurs un peu. Ouais, il est d'humeur joueuse, hein, il est cool lui. Hein. Il lui reste combien de niveaux à Toya? Il est niveau 8. Donc il lui reste 2 niveaux à faire pour la carrière. Aïe, mais il me mord ce con. T'arrêtes, oui. Se baigner sans aucun vêtement. Non, tu vas nager tranquillement. Allez, file. Au revoir. Au revoir, les abonnés. Au revoir, les abonnés. Au revoir, les abonnés. Au revoir. Au revoir. Un peu d'air. Mais ça marche pas. Nager tranquillement. Il veut pas. Bon, écoutez. Marche pas des TV. Après, je sais qu'il est feignant, alors c'est peut-être pour ça qu'il veut pas. Style de vie fatigant, style de vie dynamique en conflit avec trait de caractère. Ouais, ça bug en plus. Bon bah, va te coucher, hein, mon gars. Le Hulk. Le Hulk, il fait pipi. Ah, il a pas beaucoup d'attention. Bah, t'en auras pas plus, hein. C'est comme ça. C'est la vie. Elle dort, elle chiale. Et elle dort, elle chiale. Ok. Bon bah c'est cool, on va finir là-dessus alors. Oh, et l'autre il chie. Oh, quel dégueulasse. Nous avons sauvé Toya de la muerte. Puisqu'il avait aussi contracté ce sale virus du Covid-19. Bah mon petit, en vrai, va dormir quoi. Voilà, c'est très bien. Hein le Luc, bah oui ma petite biquette. Au chou, délaissé, avec sa mère qui s'intéressait à lui. Et nous, on va s'arrêter là. Du coup, pourquoi c'est allumé? Éclairage automatique, les éclairages. Ok, tout est normal. Il y a sûrement des fantômes qui se baladent dans cette maison. Non, 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 non. Bah oui, c'est allumé ici aussi. Bon, ok. Ah, c'est peut-être à cause des moutons. Enfin, des lapins. Bon, et ben ce sera là-dessus qu'on se quittera, mes petits enfants. La semaine prochaine, quoi. Ça suffit. Merci YouTube d'avoir regardé cette rediff. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, ainsi qu'Insta, Twitter, Discord, tout ça. C'est trouvable dans la description. Donc n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end ou une bonne journée. Bisous. Ciao, ciao.